On termine maintenant ce journal avec de bien bonnes images de bûches de Noël. Tradition oblige. En effet, des milliers de bûches se vendront encore cette année à Lille et dans la région. Et pour connaître tous les secrets de fabrication, nous sommes allés à la pâtisserie de Wilder à Saint-André-les-Lille. Ici, c'est une bûche tea que l'on propose avec des ingrédients bien particuliers que l'on peut évidemment pas tous dévoiler. Le chef pâtissier est en tout cas déjà à pied d'œuvre devant ses fourneaux pour préparer ces centaines de bûches qui régaleront les familles à Noël. Céline Huré est allée lui demander s'il est tout de même possible de réaliser une bonne bûche de Noël à la maison, sans être forcément spécialiste. Écoutez, Pierre Escourou de la pâtisserie de Wilder. Le secret d'une bonne bûche, c'est une sorte d'équilibre entre la mousse, un peu plus molle, et l'intérieur, un petit peu plus dur, qui fait un petit peu un croquant quand on le mange, le croquant et puis le moelleux de la mousse. Et effectivement, c'est possible, une ménagère donc aguerrie, donc, qui aime bien faire la pâtisserie, peut faire des fabrications aussi compliquées. Avec du temps. Et puis, le problème, c'est les matières premières qui ne sont pas faciles à trouver dans le commerce.